J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Toujours dans mes petites missions là. Vous imaginez bien. Pareil, voilà, je vous le répète et je vous le répète parce qu'il y en a encore qui me posent la question. Et puis si je ne vous donne pas de nouvelles, c'est que je suis bien dans un bourbier encore. Je suis bien dans le truc encore. Donc voilà, les filles, mes enfants me manquent. J'étais au téléphone avec mon fils, j'ai vu ma fille, tout. C'est pas facile, mais Inch'Allah khair. Mais bon, restons positifs. Je dors chez ma maman, je suis bien avec ma petite maman et tout. Voilà, j'essaie de voir le bon côté. Là, je vais me faire mon épilation définitive, les filles. Donc là, je vais commencer mes petites séances. Et du coup, c'est là que je pense que je vais poursuivre, en fait, finalement, étant donné que du coup, je vais être en France maintenant. C'est pas très, très loin de chez moi en plus. Donc, c'est magnifique. Enfin, du moins, pas très loin de chez ma mère. Et ils ont plein de centres. Donc, je vous montrerai. Donc, let's go! Let's go pour ma séance. Donc, je vous explique en fait, c'est un laser qui est censé être indolore. Donc, je vais vous dire ça de suite si je vais ressentir le mal ou pas en soi, étant donné qu'avant je faisais du laser et qu'on devait obligatoirement me mettre de la crème anesthésiante tellement que ça me faisait mal. Donc, là, on verra. Je vous dirai vraiment mon ressenti. C'est super bien parce que, en fait, ils choisissent vraiment le type de peau. Si jamais vous êtes bronzé, vous devez attendre donc 10 jours donc après votre exposition au soleil donc pour pouvoir faire la machine. Et c'est donc là en fait, elle a sélectionné donc la zone de ce qu'elle va me faire. Donc, moi, c'est les aisselles et donc le type de peau. Ça, c'est type peau 1, la tamis. C'est ça va jusqu'à 6. Ok, et donc c'est pour une peau plus foncée. Donc, moi, je suis vraiment très très claire alors. Voilà, Ok, d'accord. Bon, là les filles, on met donc un petit gel donc avant sur l'aisselle. J'ai l'impression de ressembler à Lara Croft là avec les lunettes. Et on va commencer du coup. Vas-y. J'ai peur un peu. Non, t'inquiète pas, je te jure que tu vas pas avoir mal. Ok. Donc là, je commence. Tu me dis au niveau Ok, du ressenti. vas-y. Je sens rien. Hein. Tu sens des Ouais, picotements? des petits picotements, mais vraiment légers. Léger, ouais. Oh, ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Et on refroidit tout. Après chaque Ouais. passage. Et donc ça c'est pareil sur le maillot, sur les aisselles, Exactement, partout, ouais. tout le temps. Ah ça n'a rien à voir avec le laser, tu sais, de d'habitude. Hein. Ouais, En fait, tu ressens vraiment, mais tu sais, des petits picotements, mais vraiment très c'est légers. supportable. En fait, il faut toujours que ça reste supportable, en C'est fait. vraiment indolore hein, en soi. Exactement. C'est dingue. Et Ça donc ça, va? tu le fais combien de fois? Donc ça, Là, tu me l'as fait combien de fois? Deux fois. là, j'ai fait deux passages et il faut en faire minimum quatre. C'est trop stylé. Donc, girls, on passe à l'autre bras. En tout cas, je peux vraiment vous dire que c'est vraiment indolore. Et je vais vous mettre tous les flyers. N'hésitez pas à appeler.